retour sur le salon de l'appareil téléphonique avec Loïs Moulin, directeur développement chez CB. Loïs, est-ce que tu peux nous parler de CB ? CB, c'est le moyen de paiement leader en France, hein, c'est le moyen de paiement préféré des commerçants. Ça représente environ 66% des dépenses de consommation des ménages réglées chaque année, 530 milliards d'euros, 74 millions de cartes. C'est des banques, des émetteurs de titres restaurants. C'est à la fois le premier moyen d'accès aux espèces, donc ça fait vraiment le moyen de paiement et de retrait d'espèces leader sur son marché. Et c'est né en 84 autour de quatre idées forces. La première, c'est créer un système de paiement souverain français et interbancaire, donc auquel toutes les banques participent. Deuxième idée force, valoriser une innovation technologique, la carte à puce, et une filière industrielle déjà naissante autour de la carte à puce, avec les grands industriels qu'on connaît aujourd'hui. Et troisième idée force, en fait, massifier avec un instrument de paiement qui était déjà électronique, donc déjà numérique et sécurisé, qui était la carte bancaire à puce. Super. Aujourd'hui, concrètement, comment vous aidez les e-commerçants, les retailers ou bien même les marques au quotidien ? Alors, en fait, on est avec, en étant le moyen de paiement leader, on est dans une relation de partenariat. Et en fait, on travaille au quotidien avec le commerce sur différentes thématiques. Alors, si on regarde les grands chantiers qu'on a menés ensemble ces dernières années, c'est la mise en place de la DSP2 pour l'e-commerce. Et avec les commerçants, leurs associations, le conseil consultatif commerce qu'on a mis en place chez CB. On a travaillé sur le planning, sur les étapes de la migration, sur la gestion des incidents. CB a mis en place une plateforme de sécurisation du e-commerce qui s'appelle Faster by CB. Et quelque part, on l'a rodée avec les banques, les commerçants, les industriels. Et on l'a montée en charge. Et aujourd'hui, elle traite près de 4 millions d'opérations par jour. On est sur le salon de l'appareil téléphonique et je crois qu'on peut vous retrouver sur une conférence. On sera dans la salle numéro 9 pour parler de transformation des parcours paiement, notamment avec Cap Digital et une expérience, un challenge qu'on lance sur nouvelles solutions d'encaissement mobile en magasin pour l'enseigne ID Kids.